ici principalement ce soir, que le Moulab va la coupure du ruban et nous allons faire une visite guidée de ce nouveau joyau. Et après, à 16h20, sera la fin de la cérémonie. Merci, Monsieur Béli. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter les élèves du lycée de Tokyo 2 pour une première prestation. Merci sur vos ovations, bien sûr. My heart, making melody in my heart, making melody in my heart, to the King of Kings, set up, arrow up, making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart, to the King of Kings. So go, mon seul pays, célébrez mon seul pays, le Togo, par nos tam-tams. Crum, en pays bassin, à Tumbana, à Mango, à Tompani, chez les CV. Célébrez mon seul pays, le Togo, par nos danses traditionnelles. Chez les Mina, Agbaja, Djokoto. Chez les CV, Akpesek, Kazo. Chez les Anna, Sihou, Gohou. Chez les Bassa, Souba, Lawa, Kotokoli, Kamu, Kavien. Célébrez ce chef-d'œuvre de coupure géométrique, stylisé et ciselé par Dame Nature. C'est une poupée calipiche, dressée dans son charme inaltérable au bord de l'Atlantique. Dans l'Occident du berceau de l'humanité. Ainsi te présente une Togo, ma belle et incomparable patrie, unique en ton genre, riche de la beauté de tes paysages. Utamaku, Tata Tamberma, Grotte et Grenier, Faye, Mutabogo, Cascade, Katobdo, comblé par tes trésors multiculturels, estimé pour les vertus et valeurs de tes fils, les Nanabens, Dadao Lato, les Semichans, conducteurs de mototaxi, cher Togo, cher mère, nourricière et génie pour nous tes enfants, qu'importe les aléas du quotidien, qu'importe les récits politiques qui menacent ton frère ainsi, cher Togo, ta destination est ce arbre de paix. Que jamais tu n'as osé quitter. Imperturbable, tu progresses vers un meilleur devenir. Et quel que soit l'issue du parcours, sois seul, ô mon pays, pays d'Agogosan, des valeurs et des péripéties. Sois seul, ô ma belle patrie, patrie de Dupont Nouda, d'Adossa Badaou, de Kamaka. Sois seul est le porteur d'espoir de ce peuple, un et individu, peuple tiers et noble.
Thank you.
fois encore merci aux jeunes du lycée de Tokando. À présent, nous allons inviter quelqu'un. Mais avant de l'inviter, je tiens à rappeler que ce projet s'inscrit dans le cadre du fait que nous voulons amener l'éducation, la science et la technologie dans les milieux les plus reculés de notre pays, le Togo. Donc, mon petit frère qui est à Darkbanga, mon petit frère qui est à Guérékouka, n'aura plus à s'inquiéter. Je vais tout à l'heure inviter Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur des États-Unis au Togo, mais je vais demander à toute l'assistance de se lever pour l'accueillir sous vos ovations, bien sûr. Changer le monde. À l'ambassade des États-Unis, nous croyons fermement à cette philosophie. Et nous voulons nous assurer que tous les jeunes Togolais, peu importe où ils vivent ou combien d'argent leurs parents gagnent, ont accès à une éducation de qualité. Mais nous savons que pour un trop grand nombre de jeunes au Togo, les ressources éducatives sont limitées, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie, de l'art et des mathématiques, que nous appelons en anglais STEAM, c'est-à-dire Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. C'est un problème sérieux, car les domaines STEAM sont essentiels réussir dans l'économie du 21e siècle. Et j'ajouterai aussi l'anglais, qui est essentiel pour ceux qui vont étudier dans les domaines de science. La science et la technologie mènent à des innovations, et les innovations mènent à la croissance économique, et la croissance économique crée un avenir meilleur pour tous les Togolais. Nous avons donc besoin de physiciens physiques et de physiciens togolais, de codeurs et de développeurs de logiciels. Mais comment un jeune étudiant togolais dans une région rurale du pays peut-il s'espérer pour poursuivre une carrière dans ce domaine alors qu'il n'a jamais touché un microscope ou utilisé un ordinateur? C'est vraiment difficile. Pour surmonter cet obstacle, nous avons décidé de créer un Thank you.
manière significative à notre compréhension de l'environnement. En partenariat avec l'Agence spatiale américaine, la NASA, les étudiants de tous les continents collectent des données de mesure qui sont utiles pour créer une image plus complète du système solaire pour aider à comprendre les effets du changement climatique. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que le Togo a officiellement vu voir le rang des pays participants au programme Globe. Je vais conclure avec une dernière résolution. La technologie est aujourd'hui plus puissante que jamais. Le smartphone dans ma poche est plus sophistiqué que tous les ordinateurs qui ont été utilisés pour envoyer un homme sur la Lune en 1969. Dans le même temps, la technologie est devenue plus démocratique. Facebook, le cinquième plus grand entreprise du monde, a été créé par un adolescent volant sur son ordinateur portable. L'imprimante 3D du Molar a été construite à partir des pièces détachées et peut littéralement créer tout ce que l'on imagine. En fait, les opportunités sont immenses. Et je vous défie, la jeune génération congolaise, de les saisir. Sachez que l'ambassade des États-Unis est là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Merci. Thank you.
J'avoue que j'ai été vraiment impressionné par cette prestation. Mes amis, même aux États-Unis, quand quelqu'un fait quelque chose et que c'est bien, on l'applaudit. Veuillez moi encore les applaudir. Faites un max de bruit pour ce groupe qui vient de passer. C'est pas facile, s'il vous plaît, encore une fois. Parce que vous êtes des champions qui a pu la semaine dernière. Vous allez rencontrer un championnat. Faites un match de bruit pour vous-même. À présent, nous allons entamer une partie très importante de la soirée où le directeur de cabinet, représentant le ministre de l'éducation primaire et de la formation professionnelle, va faire le lancement officiel de ce nouveau joyau qu'est le MOLAB. Je tiens à rappeler que l'objectif principal de ce
d'amener la science, la technologie dans les milieux les plus reculés du Togo. Et si tu le permets, bien sûr. Mesdames et Messieurs les enseignants du 2.2, chers élèves, chers invités, le ministre des Enseignements primaires secondaires et de la formation professionnelle aurait bien voulu vous expliquer personnellement cette cérémonie de lancement et celle du projet laboratoire du secteur mobile. Vous comprenez le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement. Il est pratique à une langue de travail dans le cadre du dialogue social avec la formation sociale. Il a donc demandé à la direction du cabinet ce que puisse nous représenter à cette cérémonie de c'est donc en son nom que je prends la parole pour vous dire jamais autant qu'aujourd'hui les applications de la science n'ont été sur le délicat équilibre économique et le société au sein de la compétition internationale. Jamais non plus la vision du progrès de nos sciences qui améliorerait les rapports entre l'homme et son environnement n'a suscité autant de doutes. Compte tenu de ces enjeux et des questions de vie qui les soulèvent, l'accès de tous, la connaissance scientifique est l'une des plus ardentes obligations pour notre système éducatif. Dans ce contexte, il est essentiel que notre pays se dote des compétences scientifiques dont il a besoin pour relever les défis scientifiques et technologiques qui s'ouvrent à nous. Or, vous le savez bien, l'enseignement des sciences connaît une crise majeure dans notre système éducatif. L'une de nos grandes préoccupations tient dans ce que l'on appelle couramment la désaffection des jeunes envers les sciences qui se manifeste par la désertion des filières scientifiques dans nos établissements secondaires. Les causes de cette désaffection sont multiples. Parce que de l'insuffisance du nombre d'enseignants scientifiques, de leur non-qualification, jusqu'à l'absence d'infrastructures, je veux dire laboratoires scientifiques, des équipements et des intrants nécessaires aux expérimentations par le support des pratiques pédagogiques dans les disciplines scientifiques. Mesdames et Messieurs, comme nous pouvons le savoir tous, l'engouement des élèves vers les sciences doit passer par l'amélioration de la qualité de l'offre éducative, avec un accent particulier sur l'enseignement-apprentissage des sciences, en permettant que ces enseignements soient dispensés par des professeurs disciplinaires de qualité, mais aussi en favorisant la mise en place de laboratoires scientifiques opérationnels. Pour cela, les efforts sont faits et se font par le gouvernement à travers le ministère des enseignements primaires et secondaires de la formation professionnelle. En effet, il y a plus de 4 années, la formation initiale des enseignants refuse
jeunesse dans ta famille, elle va être tout suivie. Avec une réforme, il va confier désormais la vie de formation à un nombre suffisant et en qualité de deux universités du Togo. Concernant les dispositions à prendre pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement des centres, le processus de mise en place des devoirs suivis a démarré depuis 2015. Ainsi, certains collèges et lycées ont bénéficié des infrastructures spécifiques par le biais du projet LIDE avec des titres scientifiques mis à la disposition de certains établissements pour les premières expériences scientifiques. Sur le plan de la formation continue, le département ministériel, avec l'appui financier de l'Agence française de développement, à travers le projet PARES, a renforcé les capacités des enseignants de sciences expérimentales à travers l'élaboration des modules de sciences de la vie et de la terre en sciences physiques, permettant aux enseignants à conduire toujours leur pratique de classe dans une démarche scientifique. À tout cela, il faut ajouter la réouverture des deux lycées scientifiques aussi, même s'ils ne fonctionnent pas encore à leur régime optimal, sauf que chaque année, des produits de très bonne qualité en matière d'acquisition de connaissances et de compétences. Mesdames et messieurs, nous reconnaissons que des efforts sont faits pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement apprentissage en général et dans les disciplines scientifiques en particulier. Mais il faut aussi reconnaître que les défis majeurs restent à relever. C'est pourquoi nous apprécions à sa juste valeur l'initiative de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo qui, dans le cadre de cet effort, de promouvoir l'accès à une éducation de qualité pour tous au Togo, a créé un centre mobile d'apprentissage et technologique dénommé MOLAB. Il s'agit donc d'un projet pour aider les jeunes que nous pouvons qualifier de défavorisés, c'est-à-dire résidents dans des milieux défavorisés de notre pays, à acquérir donc une expérience pratique dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie, de l'art et des mathématiques. C'est donc un grand but, comme nous le voyons là, équipé, dont nous allons nous dire tout à l'heure le contenu. Chers invités, je saisis cette opportunité de montrer cette cérémonie de lancement du projet MOLAB pour remercier vivement au nom du ministre de l'ambassade des États-Unis pour ses appuis multiformes au profit du système éducatif congolais. Monsieur l'ambassadeur, le projet que nous nous apprêtons à lancer d'un instant à l'autre vient compléter les exigences en matière d'expérimentation et d'investigation dans le domaine enseignement-apprentissage. Il est vrai que vous avez choisi des établissements pilotes, aussi bien nommés qu'à l'intérieur du pays. Notre souci, comme le vôtre, est de permettre aux élèves des milieux ruraux aussi de développer cette curiosité, l'esprit critique à travers une démarche scientifique. Je voudrais encore une fois vous remercier pour ce projet que nous appelons à lancer. Nous ne pouvons pas oublier les initiateurs du projet,
un partenaire, son groupe global, les uns pour leur idée géniale et les autres pour leur apport technologique et autres qui apportent à la politique de son projet. Pour vous, les élèves, ce projet, le laboratoire mobile que nous allons lancer bientôt, va contribuer à couture, à vous rendre acteurs de vos apprentissages dans le domaine scientifique, à vous offrir plusieurs chemins d'accès au savoir, répondant ainsi aux différences dans la façon d'étudier et d'apprendre. Nous offrons également l'occasion d'éliminer les mauvaises hypothèses. Nous permettrons également de vous offrir l'occasion de travailler en équipe, favorisant ainsi les échanges entre pairs, ce qui n'est pas si fréquent dans nos collèges de lycée. Voilà pourquoi il vous est recommandé du sérieux dans la recherche du savoir scientifique et l'abnégation dans la discipline. Nous avons espoir que ce projet de bibliothèque de laboratoire mobile encouragera les jeunes élèves togolais à imaginer de plus grandes opportunités technologique et à payer les prochaines générations de scientifiques togolais, d'ingénieurs et d'inventeurs au Togo. Mesdames et messieurs, en invitant tous les établissements qui ont été choisis comme pilotes à travailler dans le sens des objectifs du projet MOLA pour relever les défis de l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissage en sciences et en technologie dans les collèges et lycées. Et je déclare au nom du ministre des Enseignements primaires secondaires de la formation professionnelle le projet lancé, le projet MOLAB au Togo. Je vous remercie. Et pour tous. Merci beaucoup, le directeur du cabinet, représentant le ministre de l'éducation primaire, secondaire et de la formation professionnelle. Le moment tant attendu est enfin arrivé où nous allons procéder à la coupure du ruban de ce nouveau joyau qu'est le MOLAB. Cela va se poursuivre comme si nous allons demander aux autorités de se diriger vers le bus qu'est le MOLAB. Ils vont faire une visite guidée du MOLAB et après tout, ils vont se rendre dans les différentes stations. Mais avant toute chose, je tiens une fois encore à remercier tous les partenaires de ce projet, entre autres, Consul Global, l'ambassade des États-Unis au Togo, le Community Language Center de Kara et aussi aux initiateurs de ce programme. Merci beaucoup à tous. Ça a été un réel plaisir et un honneur pour moi d'être votre hôte ce soir. Je réponds au nom de Dola Kobi-Béli. Et moi, je réponds au nom de Radio Mandel Amani Véronique. Donc, sans plus tarder, nous allons demander aux autorités de se lever et de nous couper le ruban pour découvrir ce que c'est que le MOLAB. Merci beaucoup. Tous vos ovations, venez les applaudir. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sanaa, boycotter le décollage de la 310 de la Yémenia.
J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances mais pour vider la soute de l'avion d'Alia. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort. Puis un petit tour au Paris-Dakar en pleine savane pour boycotter l'hélico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent un nez rouge, j'aurais été crever les pneus de la moto à Coluche. J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, puis aller voir la mer rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils à Marie, 2 heures après faire la marche du sel avec Gandhi. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, puis à Woodstock pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown pour aller voir Michael nous faire le moonwalk. J'aurais été à New York pour déclencher à 7h une alerte à la bombe dans les 2 tours. J'aurais été en Irak à prendre aux journalistes à mieux viser avec leurs chaussures. J'aurais été en Afghanistan jeter les caméras de la dernière interview du commandant Massoud. J'aurais été en Angola pour aller dire à l'équipe d'Adebayo de ne pas prendre la route. J'aurais été à Clichy-sous-Bois débrancher le transport de DF avant que Zia et Puna arrivent. J'aurais été chez Kunta Kinte ou sur Corée pour leur donner des fusils avant que les colons arrivent. J'aurais été voir les tirailleurs africains pour leur dire qu'on traite leurs enfants de sales immigrés. J'aurais été en Autriche, j'aurais tout fait pour que les parents d'Adolf Hitler ne se rencontrent jamais. Même si j'avais eu le pouvoir de Nakamura, qu'aurais-je fait pour Haïti, le tsunami ou Katrina? Qu'aurais-je fait pour l'Alaska? Tout ce que la nature nous a donné, la nature nous reprendra. Tellement de choses que j'aurais voulu changer ou voulu vivre, tellement de choses que j'aurais voulu effacer ou revivre. Mais tout cela est impossible, ami. Donc j'aspire un grand coup et je souffle sur ma 30e bougie. Yeah. 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 J'aurais aimé voyager à travers le temps. Mais on ne peut vivre que le présent.